protège. Tiens. T'as-tu faim? Sarah, je suis désolée. Je dois rentrer. Pas avec Matt là, qui va... Non, non. Je vais retourner chez mes parents. Puis ça t'a fait quand même du bien de venir ici? Changer le passé, faire en sorte que Matt ne m'aime jamais. Et qu'est-ce que ça me coûterait? Qu'est-ce que ça me coûterait pour qu'il souffre autant qu'il m'a fait souffrir? Écoute, Matt, elle va bien finir par revenir. Toutes ses affaires sont là. Mais je vais faire quoi quand je vais la revoir? Comment je pourrais la regarder en face après ce qui s'est passé? Est-ce que je vais bien pouvoir lui dire après ce que j'ai fait? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais là, c'était pas un viol. Vous êtes ensemble depuis quoi?
4 ans. Elle te connaît, non? Hein? Matt? D'où? T'es là? Sam, qu'est-ce que... Attends! Sam! Attends! Sam! Sam! Attends! S'il te plaît, attends! Sam! Sam, je suis désolé, je voulais pas. Sam! Tandem cum neo aestis. Identifie-toi, profanateur. Tu oses revenir ici. Notre déesse t'avait pourtant toxi. Comment peux-tu être de retour parmi nous? Va-t-il falloir que je t'arrache cette fois pour que tu cesses de me hanter? Mmh.
tapez ton visage pour l'enfermer à double tour ne semble pas avoir fonctionné la première fois. Je suis jeune. Tu sembles plus jeune. Tu as donc accédé à ta prochaine fille, mais comment tu fais pour venir dans ce monde? Je suis juste ici pour un vaisseau. Les vaisseaux! Mais quelle injustice! N'as-tu pas aucun souvenir de ta vie précédente? Alors comme moi, chaque nuit, les cauchemars que tu me fais subir brûlent ma mémoire. Il y eut un jour, cela plusieurs années, où des centaines de souvenirs qui n'étaient pas les nôtres nous assaillirent. Tel fut le cas de dizaines d'entre nous, à travers le continent. Que parvint cette île, cet havre de tolérance, que devint la citadelle? Plusieurs furent massacrés pour ce qu'on appelle la folie. Et toi, tu habitais un nombre démesuré de mes souvenirs. Oui, toi. Ulrich de Myre, Mathieu, Simaï, Gildas, Karl. Oh, que de nom pour un même monstre. Oh. Beaucoup de ces souvenirs furent agréables. Parfois même de l'amour. Ah, ils sont éclipsés par toutes les souffrances que tu m'as fait subir. Alors, dis-moi, quel est le meilleur moyen pour te faire disparaître pour toujours? Alors, si la mort ne suffit pas, disparaît, corps et âme.
Sarah, est-ce que tu pourrais m'amener à 3 pistoles à la place? Pourquoi? J'ai changé d'avis. Tu penses aller où de l'autre côté? Je sais pas. Mais ça fait longtemps que j'ai envie de visiter la Côte-Nord. Hey, go for it, girl. Merci, ça. Merci à toi. Prends soin de toi, OK? Les tentations de la nuit agressaient son sommeil. Les murmures de la forêt se répercutaient entre les quatre murs de sa cage de pierre. Akane comprenait ce qu'avait dû ressentir Sam. Du moins, le supposait-elle. Chaque fois qu'elle quittait les souvenirs de l'humaine pour replonger dans ses propres émotions, ses propres sentiments, elle les trouvait si amoindris. Moins vivaces. Moins humains. Pourtant, elle ressentait l'appel comme elle. L'appel des arbres qui bruissaient, là, en bas. Des arbres sombres, des arbres sans lumière. Comme dans ses souvenirs.